Acclamons pour Jésus-Christ. Let's clap for Jesus Christ. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Ce soir, this evening, vous titrez les esclaves seront les premiers. You write, we're going to talk tonight, you write as a title, slaves will be the first. Lis-nous Marc chapitre 9 verset 35. Read for us Mark chapter 9 verse 35. Alors, il s'assit, appela les douze et leur dit: si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Amen. Marc 10, 42 à 44. Marc 10, 42 to 44. Jésus les appela et leur dit: vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Amen. Quand la formation des disciples a réussi, when the making of disciples has succeeded, elle transforme les hommes en esclaves de Dieu et de tous les hommes. It transforms men into slaves of God and of all men. Un vrai serviteur de Dieu, a true servant of God, est un serviteur de l'homme. Is a servant of man. Jamais le contraire. Never think of the contrary. Un vrai serviteur de Dieu, a true servant of God, sert l'homme. Serves man. Dans son livre Le vainqueur en tant que serviteur, en tant que serviteur de l'homme, in his book The Overcomer as a servant of man, le frère Jacques montre que Dieu lui-même est serviteur de l'homme. What as Jacques shows that God himself is a servant of man. Il montre que tout ce que Dieu a créé dans le jardin, tout ce qu'il a créé, tout ce qu'Adam avait, qu'Adam disait que c'est agréable à manger, c'était agréable à voir, bon à manger, tout cela a été créé pour l'homme. He shows that all that which was in the garden that Adam looked at and said, this is good for food, was created for man. C'est-à-dire que Dieu a préparé ces choses-là pour l'homme. C'est ça qu'on appelle le service. Quand tu veux rendre quelqu'un heureux, tu veux bénir quelqu'un. It means that all those things God made them for man. That is what is called service. When you want to render somebody happy. Quand tu veux son bien, sa promotion. When you want the good of someone, when you want succès, someone's promotion, someone's success. C'est ça le service. That is service. Il a montré que Jésus est un serviteur de l'homme. He shows that Jesus was a servant of man. La première chose qu'il faut comprendre, c'est éviter de tomber dans le piège des docteurs de notre siècle. The first thing to avoid is not to fall into the traps of the teachers of our days. Qui prétendent qu'on ne sert pas l'homme. Who pretend that you don't serve man. C'est une fausseté. It's falsehood. C'est un principe même de la vie humaine. It is a principle of human life. Que les parents servent les enfants. C'est-à-dire, c'est la maman qui lave le bébé. That parents serve their children. It's the mother who prépare à manger. The baby, who prepares food to les eat parents amassent pour les enfants, cherchent les biens pour les enfants.
Parents look for wealth for their children. C'est une tendance païenne quand les parents investissent pour leurs enfants pour récolter après. It is a pagan tendency for parents to invest in their children so as to harvest later. Dès que tu as un enfant, as soon as you have a child, tu investis pour son bonheur. You invest in that child for the child's good. Pas qu'il te le rembourse quand il sera grand, non. Not that he should reimburse you when he becomes big. Parce que quand il sera grand, il va faire aussi, il va travailler pour amasser pour ses enfants. Because when he becomes big, he will also work to amass wealth for his children. Il y a des parents qui ne veulent pas que leurs enfants se marient parce que pour eux, le mariage va détourner l'attention et va détourner les biens. There are parents who don't want their children to get married because they think a marriage will make take their attention away from them and their wealth also be taken away from them. Il y a des parents qui pensent que quand leur fille va se marier, le salaire va partir. Elle n'aura pas le temps pour eux. Donc, ils frappent du célibat. There are parents who think that when their daughters get married, their salary will no longer come to them. So they make sure that the girl remains unmarried. Le salaire de ta fille, the salary of your daughter, ce n'est pas pour s'occuper de toi. It's not to take care of you. C'est pour préparer l'avenir de ses enfants avec son mari. It's to prepare the future of her children with the husband. Elle ne doit pas être envoûtée pour rester célibataire. She must not be bewitched to stay single. Comme ça, elle ne pense qu'à tonton, oncle, tante, oncle, tante, père, mère, oncle, tante, elle se fatigue. So that the only thing is about uncle, aunt, father, mother, and gets tired. Les pères amassent pour les enfants. Fathers amass wealth for their children. Permet à tes enfants d'amasser pour leurs enfants. Allow your children to amass for their own children. S'il te donne quelque chose, tu rends grâce à Dieu. If they give you something, you give thanks to God. Donc les parents servent les enfants. So parents serve their children. Quand tu es dirigeant, when you are a leader, tu sers les membres de ton assemblée. You serve the members of your assembly. Tu ne les menaces pas. You don't threaten them. Tu ne les énerves pas. You don't make them angry. Tu pries pour eux. You pray for them. Tu leur donnes des conseils. You give them advice. Tu leur rends visite. You visit them. Tu les protèges. You protect them. Et tu leur donnes des bons enseignements. You give them good teaching. Comme ça, quand ils vont rencontrer les faux bergers, que leur tête soit saine. So that when they meet false shepherds, let their heads be healthy enough. Tu dois les servir. You must serve them. Tu ne dois pas les dépouiller. You should not draw from them. Il y a des gens qui ont pris l'argent de leurs disciples, ils ont dépensé. There are people who took money from their disciples and spent it. Avec une autorité malsaine. With an unholy authority. Apôtre Paul dit que l'autorité que nous avons reçue, c'est pour votre édification et non pour votre destruction. The Apostle Paul said, the authority that we receive is for your edification and not for your destruction. C'est l'autorité pour servir. It's authority to serve. Ce n'est pas pour escroquer. It's not to withdraw from people. Il y a des dirigeants qui ne veulent même pas que leurs disciples viennent là où je suis. There are leaders who don't even want their disciples to come where I am. Conduis ton disciple vers le dirigeant pour être béni. Fais partie du service. Lead your disciples towards the leader to be blessed. Let them be part of his service. C'est un missionnaire comme moi, par exemple. A missionary like me, for example. L'une des choses que je dois faire pour vous servir, c'est de faire venir le leader mondial. Que vous le voyez, parce que vous ne le connaissez pas. Quand le missionnaire vient, il dit, on m'a envoyé. One of the things that I, as your leader, needs to do to serve you is to bring the international leader here so that you see him, since you don't know him. When the missionary comes, he says, I was sent. Je dois tout faire pour que la personne ou les personnes qui m'ont envoyé viennent et que vous les voyez aussi. I must do all such that the people who sent me here should come here so that you should see them as well.
Et qu'ils vous, que ces personnes vous bénissent. So that these people bless you. Parce qu'au-delà de ce qu'on entend, il y a une bénédiction qui pleut, qui tombe. Because above all that we hear, there's blessing that comes down. J'ai dit aux frères, I told the brethren, un bon dirigeant donne la joie à ses membres, à ses disciples. A good leader gives joy to his disciples. Si on a peur de toi, je l'ai dit aux missionnaires, c'est que tu as échoué. If they are afraid of you, you have failed. I told the missionaries this. Le service, ce n'est pas quand tu fais beaucoup de choses. Service is not when you do many things. Le service commence dans l'amour, dans l'amour. Service begins in love. Quand tu aimes. When you love, tu sers. You serve. Tu soutiens. You support. Même le fait de ramener un rétrograde, c'est un service. Just the fact of bringing back a backslider is service. Si tu as dans ton environnement, if in your environment you have quelqu'un qu'on a chassé, someone who has been sent away, ou qui s'est égaré, or who has gone wayward, ou qui s'est perdu, or who is lost, la première chose, the first thing, c'est de savoir qu'il le mérite, is to know that he merits it, de savoir que cette personne la mérite. Ce châtiment. Is to know that that person deserves that chastisement. La deuxième chose. The second thing. C'est de servir cette personne. Is to serve that person. À l'aidant de revenir. By helping him to come back. Pour ceux qui supervisent les zones. For those who supervise zones. Rassurez-vous que même Judas. And so that even Judas n'est pas inquiété dans son poste. Is not fear is does not fear in his post. Ça fait partie du service. It's part of service. Le moins honoré, c'est la personne qu'on méprise. Élever cette personne-là. The least honored person is the person who is despised. Bring that person up. Il y a un missionnaire aujourd'hui. There's a missionary today. Un de nos missionnaires. One of our missionaries. Il était un rétrograde. He was a backslider. Un vrai rétrograde. A true backslider. J'étais jeune pasteur. I was a young pastor. Quand je rendais mon ministère pastoral, mes amis, si je viens chez toi, si je n'ai pas fini, je ne rentre pas. When I used to render my pastoral ministry, if I come to your house, if I've not finished, I'm not going. Et je rendais ministère entre midi et deux. And I used to render ministry between 12 and 2 p.m. Et je priais de minuit à 4 heures. And I used to pray from midnight to 4 a.m. Quand je montais dans un taxi, je disais, je suis fatigué. Dès qu'on arrive, tu me dis. When I got into a taxi, I used to tell the driver, I used to say, I'm tired. When we get to the destination, you tell me. Puis je m'endormais. Then I sleep. Un jour, il y avait un grand séminaire. One day, there was a great seminar. J'ai pris ses disciples. I took the disciples. Pour l'amener au séminaire. To take them to the seminar. Un ancien m'a vu. Another saw me. Il dit, tu amènes celui-ci où? And asked, where are you taking this one to? Je lui ai dit, I told him, c'est un investissement à long terme. It's a long-term investment. Acclamons pour Jésus-Christ. Clap for Jesus Christ. Et aujourd'hui, il est missionnaire plein dans une nation. And today et tout va bien. And today he's a full-time missionary in a nation. Un ancien qui supervise une zone. An elder who supervises a zone. Doit être un faiseur d'hommes. Must be a maker of men. Il faut qu'il y ait beaucoup de personnes qui viennent lui dire merci parce que j'étais sans direction, tu m'as aidé. Many people should come and tell him that thank you because I was without a direction and you helped me. Il doit prendre certains, il vient me donner que tu dis que tu cherches les gens pour prier avec toi, en voici deux, en voici trois.
He should take people and bring them to me and say, you need people to pray with. These are two, these are three people. Nous sommes des serviteurs. We are servants. Les dirigeants d'assemblée doivent faire la même chose à leurs anciens. The assembly leaders should do the same thing with their elders. On doit trouver que c'est une famille. We must find out that it is a family. Où il y a une sainte complicité à tous les niveaux. Where there is holy complicity at every level. Il faut servir les autres. We must serve the others. Ceux qui servent sont les plus grands au ciel. Those who serve are the greatest in heaven. Ceux qui vont même plus loin, qui deviennent des esclaves, sont les premiers au ciel. Those who go further to become slaves are the first in heaven. Ceux qui discutent leur place, leur rang sur la terre, sont des perdants éternels. Those who fight and argue over their ranks on earth are losers. Vous savez, même venir à une réunion, c'est servir. You know, even coming to a meeting is service. Parce que quand on planifie, on ne te consulte même pas. Because when they plan, they don't even consult you. Tu viens parce que tu es serviteur. You come because you are a servant. Sinon, il faudra un vote pour savoir si on doit venir ici mercredi. If not, we would have needed a vote to know if we have to come here on Wednesday or not. Si on enlève l'esprit de service, il n'y a pas de formation de disciples. If we take out the spirit of service, there is no making of disciples. Parce que dans Philippiens 2, because in Philippians chapter 2, lis-nous Philippiens 2, read for us Philippians chapter 2, à partir du verset 2 jusqu'au verset 11. From verse 2 to verse 11. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ça veut dire que le service demande beaucoup de dépouillement. It means that service demands so much giving. Beaucoup d'humilité. Much humility. Demande l'obéissance. Needs obedience. Un abaissement volontaire. A voluntary bringing oneself low. Donc, ce que les autres appellent la mort au moi. That's what others call dying to self. Pour être un bon serviteur, to be a good servant, il faut traiter avec son moi personnel. Need to treat with your personal self. Et la parole nous invite à prendre pour modèle le Seigneur Jésus. The word encourages us to take as model Jesus Christ. Dans le livre que nous avons cité, Vainqueur en tant que serviteur de l'homme, voici ce que le frère a écrit. In the book that we just cited, The Overcomer as a Servant of Man, this is what Brother Zach writes. Il est tout à fait évident que du point de vue de Dieu, chaque vainqueur devrait devenir serviteur d'un homme. It is all the more evident that from God's point of view,
each servant should first of all become a servant of man. Et par la grâce de Dieu, grandir pour devenir l'esclave de tous les hommes. And by the grace of God, grow to become a slave of all men. De cette manière, il sera qualifié pour la première place au ciel. In this way, he will be qualified for the first place in heaven. Il servira les desseins de Dieu dans cette génération. And will serve God's purposes in this generation. Fin de citation. End of quote. Serviteur de Dieu. Servant of God. Ça veut dire serviteur de l'homme. Means servant of man. Et esclave de tous les hommes devient comme une progression. And a slave of all men becomes like a progression. Et c'est là ce que Dieu attend de nous. That is what God expects from us. Il y a ce que l'Esprit de Dieu demande aux parents pour les enfants. There's what the Spirit of God demands from the parents for the children. Et il y a ce que l'Esprit de Dieu demande aux parents pour leurs enfants. And there is what the Spirit of God asks the children for their parents, and there's what the Spirit of God asks the parents for their children. Ne ratons pas cet appel. Let's not miss out on that call. N'allons pas vers des grandes doctrines en nous négligeant les doctrines de base. Let's not go towards the great doctrines while neglecting the basic doctrines. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Jesus washed the feet of his disciples. Et il a dit de faire comme lui. And he said we should do the same as he did. Il dit je vous sers. He said I serve you. Moi votre maître je vous sers. I your master serve you. Maintenant pour servir les gens ont honte. Now to serve men are ashamed. Ils ne veulent pas se rabaisser. They don't want to bring themselves low. Ils pensent que c'est humiliant de se rabaisser. They think that it is humiliating to bring oneself down. Ne fais pas un service stratégique. Don't carry out strategic service. Que tu veux être dirigeant de l'assemblée. Now you want to be an assembly leader. Tu décides que tu vas porter le sac de ton dirigeant. And you decide that you carry your leader's back. Et quand on nomme une autre personne, tu jettes son sac par terre. When they appoint another person, you throw his back to the ground. Et on te demande pardon. And then they ask you for forgiveness. Après, tu reprends, tu prends le sac. And then you take the back once again. Pour viser une autre assemblée. And then you are targeting another assembly. Il faut servir pour rien. You should serve for nothing. Pour aider. To help. Pour faire avancer l'œuvre de Dieu. To make God's work to go forward. Et puis, il faut être délivré de la fausseté qui consiste à croire que ceux qui servent sont des vauriens. You should be delivered from the falsehood that makes people think that those who serve are nothing. Dans la parole. In the word. Et en lisant le livre que je recommande à tous. I'm having read the book that I recommend for all. Le frère Zach démontre que Moïse avait tous les diplômes de l'Égypte. Brother Zach shows that Moses had all the certificates of Egypt. Parce que la Bible dit qu'il avait été instruit dans toute la sagesse égyptienne. Because the Bible says that Moses was learned in all the wisdom of the Egyptians. Et qu'il était puissant en œuvre et en acte. And that he was powerful in works and in acts. Mais il est parti paître les troupeaux de Jéthro. But he went and took care of the sheep of Jethro. Pendant 40 ans. For 40 years. Comme le frère Zach disait, illustrait. And like Brother Zach was illustrating. Tu dis à un bœuf que j'ai le doctorat, il dit bœuf. Le bœuf ne connaît pas ton doctorat. You tell a cow that I have a PhD and then he just makes bœuf. He does not even know what a PhD is. Donc, toi-même, tu comprends qu'il faut déposer ça quelque part. And then you just understand that you just have to keep it somewhere. 40 ans. 40 years. Pas parce qu'il n'est rien. Not because he was nothing. Mais parce qu'il sert. But because he served. Son choix personnel. His personal choice. Il était fils de la fille de Pharaon. He was the son of the daughter of Pharaoh.
Il avait tous les privilèges de la cour royale. He had all the privileges of the royal home. Mais il a refusé. But he refused them pour aller servir. To go and serve. C'est ça la sainteté. That is holiness. Et quand tu sers quelqu'un, and when you serve someone, tu marches derrière. You walk behind. Il y a des gens qui veulent servir. There are people who want to serve. Et te, viens on part. Lui and qui then, est venu servir, il veut te tirer. Viens and then part. They tell you, come, let's go. The one who came to serve wants to drag you along. Quand tu viens servir, tu restes derrière. When you come to serve, you stay behind. Tu fais tes suggestions là-bas derrière. You make your suggestions from behind. Leader, est-ce qu'on peut avancer? Leader, can we go forward? Il dit, il ne parle même pas. Il dit, et tu restes calme. You stay quiet. Il réfléchit 2 minutes sur ce que tu viens de dire. Après, il décide que oui, viens, on s'en va. He thinks for 2 minutes and then he tells you, okay, come, let's go. Là, le diable est battu, KO. There, the devil is defeated and is given a knockout. Si tu prends un seul disciple, if you take just one disciple, tu murmures même en cachette, and you murmur in hiding, contre le dirigeant, against the leader, tu es déjà tombé. You are already defeated. Ce sont des principes divins. Ce n'est pas l'homme. C'est-à-dire, la grâce de la loyauté te quitte. Because those are divine principles. It's not man. The grace of loyalty just leaves you. Nous servons un Dieu vivant. We serve a living God. Un serviteur ne commère pas, ne diffame pas. A servant does not gossip, does not defame. Si tu es dans une association, if you are in an association, un groupe, a group, qui planifie des mauvaises choses contre le dirigeant, ne reste pas là. C'est écrit dans la Bible. Ne reste pas. If you are in a group that plans evil things against the leader, don't stay there. It is written in the Bible. Don't stay there. Mais si tu as quelque chose, but if you have something, que tu veux discuter avec le dirigeant, that you want to discuss with the leader, dis-lui, je vais te voir. Tell him I would like to see you. Si tu n'as pas le courage, tu écris une lettre, tu lui envoies. If you don't have the courage, write a letter and send to him. Le Seigneur demande une œuvre, une seule âme, une seule pensée, un seul esprit, un seul amour. The Lord demands a work of one soul, of one love, of one spirit. Ceci est vrai au niveau de chaque assemblée. This is true at the level of each assembly. C'est vrai au niveau de chaque sous-zone, chaque sous-centre. It is true at the level of each sub-center. Et c'est vrai au niveau de chaque zone. And it is true at the level of each zone. C'est vrai au niveau de la nation. It is true at the level of the nation. C'est vrai au niveau mondial. It is true at the international level. Seigneur, merci de nous inscrire dans notre esprit, l'esprit de service qui consiste au renoncement au moi et à l'humilité, Seigneur. Je prie que cet esprit d'humilité habite chaque serviteur, que l'esprit de renonciation au moi habite chaque serviteur, que l'esprit de dépouillement continuel habite chaque serviteur pour faire avancer ton œuvre. S'il te plaît, visite-nous et visite-moi particulièrement dans ce domaine-là pour avancer toujours comme un serviteur pour faire avancer ton œuvre à travers un homme. Amen. Lèvons-nous et implorons la grâce de Dieu. Let's stand up and call on the grace of God. Dis-lui, Seigneur, fais de moi un serviteur. So Lord, make of me a servant. Prions ensemble. Let's pray together. Au nom de Jésus-Christ. Oh Père, fais de nous des serviteurs. Fais de moi un serviteur. Fais de mon frère un serviteur. Fais de ma sœur un serviteur. Fais de nous des serviteurs, des serviteurs, des serviteurs. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.
Amen. Amen. Merci Seigneur. Thank you Lord.